Salut. Comment aborder euh, la question du premier client qu'on aura ou qu'on va avoir en cabinet. Donc, si vous êtes praticien, euh, praticienne, thérapeute, ou vous êtes déjà en exercice, vous savez que le premier client est assez, euh, est assez particulier. C'est comme son premier enfant, finalement. Euh, on se fait énormément de films hein, dans sa tête. On se dit comment ça va se passer. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que c'est, euh, en fait, c'est emblématique de beaucoup de choses. Ce premier client là. Et très, symbolise énormément de choses, donc je vais vous en, vous en parler rapidement dans cette vidéo. Euh, quand on démarre, on est très très souvent dans une forme d'anxiété. Pourquoi Parce qu'on pas, euh, n'a on, on pas encore euh, eu de client, C'est tout à fait normal. La deuxième chose, c'est que euh, apprendre à l'école, apprendre dans les formations comment gérer son client, comment son consultant, comment mettre, mener à bien une séance, ça on peut l'apprendre euh, très souvent. On le fait entre les, les apprenants, entre les élèves. Par contre, quand on le fait avec un véritable client, ça change, ça change radicalement les choses. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et c'est quelqu'un qui est dans une relation de prestation de service. Ça change absolument tout parce qu'on se dit, c'est une personne qui va payer, qui vient avec une interrogation, une souffrance, qui va payer du coup, la prestation, et du coup, il s'attend à ce que, ou du moins, c'est comme ça qu'on qu le conçoit au début. Euh, on s'attend à ce que ce client-là... On est pour son argent. Donc, on se met la pression, une énorme pression sur le, sur le dos. On, on met la barre à un niveau très très haut et on flippe. On flippe. Euh, on flippe vraiment quand on, veut, quand, quand on a notre premier client. Donc, vous savez, quand vous avez déjà pratiqué que c'est quelque chose qui, quand on regarde un petit peu. Euh, avec un peu de distance, quand on prend un peu de distance par rapport à tout ça, on se dit ça, ça va, c'était pas si catastrophique que ça. Et puis on se met la pression aussi parce qu'on se dit est-ce que je vais être, ce que je vais être capable, est-ce que je vais être capable et prêt et prête à, à aider cette personne-là, ce premier client, euh, à régler son problème ou à entrevoir un début de, 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 de solution pour son problème. Alors il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Euh, les deux solutions existent. Alors il y en a une qui est foireuse mais qui peut s'expliquer facilement, c'est celle de la fuite. Donc on va euh, euh, s'auto-saboter, on va faire en sorte que ça ne marche pas. Euh, on va peut-être l'aborder au téléphone d'une certaine manière, pour qu'il n'ait qu pas confiance. Donc ça, ça existe, j'ai des témoignages dans ce sens-là. Euh, parce qu'on se dit « je ne suis pas encore prêt euh, ». On va peut-être aussi parler de manière un peu plus, euh, un peu plus froide, parce qu'on sait pas. En fait, c'est le trac qui fait ça, c'est le stress, c'est l'angoisse. Qui nous fait ben, on, on, voilà, on est un peu hésitant au téléphone on donne l'impression qu'on ne gère pas trop le son métier donc c'est pas forcément le cas mais le premier client c'est toujours un peu spécial donc ça c'est la première première option qu'on a la deuxième option c'est de faire face à faire face c'est facile à dire mais comment on fait concrètement pour faire face avec avec tout ce stress et c'est là en fait où je voulais en venir c'est que le, le premier client en vrai le premier consultant euh, pour moi pour ma part son rôle c'est de valider concrètement, réellement, qu'on est devenu professionnel, qu'on est vraiment sur, entre guillemets, sur le marché du travail, qu'on qu a commencé déjà à accueillir des gens, qu'on qu est devenu prestataire ou prestatrice de services, et qu'on est finalement entièrement, complètement, à 100% euh, investi dans son métier. C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais ce, ce premier consultant en fait va vraiment euh, euh, ancrer dans la réalité cette activité-là. Les conseils qui se disent, voilà, c'est bon, c'est parti, c'est le premier. Euh, le deuxième, troisième, cinquième, dixième, vingtième, ça se passe, ça se passe mieux pour nous, notamment. Euh, parce que toujours on se fait des films, et puis à la fin, finalement, euh, ce qu'on avait imaginé, ce n'était euh, pas vraiment de la réalité, parce qu'on a très souvent de bons résultats, de bons retours, euh, et on est content. Mais le premier, en fait, justement, il est, il est emblématique de ce début d'activité, de le fait d'ancrer cette activité-là dans une réalité vraie, tangible, c'est-à-dire que prestation de service on va apporter de l'aide à cette personne-là, elle, se elle va se sentir mieux. Et puis en sortant, elle laissera son chèque ou elle, sera, elle laissera son paiement. Et c'est quelque chose d'assez aussi euh, d'assez stimulant, d'assez étrange de toucher son premier chèque ou de toucher ses premiers, euh, ses premiers euros suite à, à sa première consultation. En fait, ça valide réellement que, euh, bah, que c'est faisable, qu'on peut notamment euh, apporter du bien-être et pouvoir en vivre. donc euh, le, le premier client, le premier consultant, est un, apporte son, 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 dans du sens finalement, dans un, dans un sens concret à notre, à notre activité, parce que entre le moment où on a pris cette décision de faire ces métiers-là euh, et le moment où on s'est formé et le moment où on reçoit notre premier consultant, il peut, il peut y avoir euh, parfois des années. Et en fait, le premier consultant, c'est finalement l'aboutissement. C'est en même temps l'aboutissement et en même temps le début d'une nouvelle vie donc euh, il faut quelque part célébrer cette, cette, ce premier client fêter son premier client et considérer que c'est le, le, le premier pas finalement de, de, dans cette activité là dans cette passion qui est devenue réalité dans ce cheminement là qui est, qui est très, très souvent très passionnel euh, et qui a, qui a fait suite justement peut-être à une histoire de vie un peu un peu complexe un peu à et ce premier client, en fait, ce premier consultant, représente énormément de choses pour nous. Donc, mon petit conseil, euh, si vous avez euh, du mal avec ce premier client, bah dites-vous que euh, que ce soit pour le premier client ou pour le millième client. Euh, ce qui importe, c'est pas le. Alors, le résultat est important, bien entendu. Mais au-delà de tout ça, c'est de faire de votre possible, de faire votre mieux. Euh, vous avez une obligation d'effort de, et non pas de résultat, de faire de votre mieux pour que euh, cette personne-là qu'elle soit euh, la première, qu'elle soit la millième, euh, ça ne change pas vraiment euh, grand-chose à votre intention de départ, que cette personne-là reçoive toute l'attention et toute la bienveillance et toute l'expertise que vous avez, que vous pouvez lui témoigner, euh, et qu'elle ne l'attend pas forcément de vous, que vous soyez parfaite ou parfait. <laughs> cette personne attend de vous que vous fassiez votre maximum pour lui apporter soit une solution à un problème donné, soit un début de solution. Parce que parfois... On cherche, ça peut être résolu dans certains métiers, dans certaines problématiques, ça peut être résolu rapidement. Dans d'autres cas, et c'est peut-être, ça tient aussi à la nature des, des problèmes ou des problématiques qui, qui font venir les gens chez vous. Ça demande du temps, c'est un cheminement, donc ce n'est pas une question de, de voilà, c'est un marathon. Parfois, n'est pas un sprint, et qu'il faut, euh, voilà, peut-être que cette personne-là va commencer ce changement avec vous et puis elle va le, soit le continuer avec elle-même, seule. Où elle va cheminer avec soit vous, soit une autre, une autre personne, un autre praticien ou une autre praticienne. Donc c'est très important de comprendre que ce premier, ce premier client, ce premier consultant représente le début de votre, de votre projet, ce beau projet dans lequel vous êtes lancé, l'aboutissement de peut-être d'années de, 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 de réflexion, d'études, d'introspection. De, de, et puis le début d'une nouvelle vie. Donc prenez-le comme une, comme une célébration, prenez-le comme, un, comme une fête, comme un début de quelque chose d'intéressant, de, de, au lieu de le prendre finalement comme quelque chose d'anxiogène. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur, sur ce premier consultant, ce premier client. Dites-moi en commentaire quelle, quelle a été votre, votre, votre attitude, votre sentiment, vos sentiments. Est-ce que ça vous a angoissé ou pas le premier, comment vous l'avez abordé. Et puis si vous n'avez pas encore votre premier consultant. Peut-être que vous êtes en formation, vous venez juste de terminer. Qu'est-ce que ça vous inspire ce que je vous dis Et euh, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Si vous êtes sur YouTube, je vous, euh, ben, je vous euh, demande de, euh, gentiment de vous abonner à la page, de laisser votre petit pouce bleu. Comme ça, la vidéo se, se répandra un peu plus efficacement par rapport à, à l'algorithme de YouTube. Et puis, euh, avant d'oublier, je vous mets en lien le, la dernière formation que je vous mets, euh, que j'ai mise mis en ligne hier. Donc, elle est gratuite elle dure 1 heure à peu près, 1h15. 1h20, et j'apporte énormément de réponses aux praticiens qui veulent développer une activité qui soit vraiment humaine et euh, qui corresponde vraiment à leurs valeurs. Donc, c'est dans la description, et euh, ben, je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Merci.